Aïssa Fremsem, après intervention li sous tribune Nations Unies, président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, côté que monsieur dit clairement, mais quantité haïtien qui gen petit yo qui l'école dans l'école dominicaine. Li parle sous près de 200 000 combien étrangers qui l'école dans l'école publique en Dominicani, mais li parle de 143 000 c'est haïtien seulement. Par la suite, li dit au système santé là 9% dans budget système santé là c'est haïtien qui utilise. Là quelque part moi-même bal raison. Mais l'autre bail qui est important qui fait me pral ouais que Abinadel extrêmement intéressé avec Haïti et intervention que William Ruto qui c'est président pays Kenya fait moi que gon bagay k ap manigansé pour tout bon et peuple a doué gon fixation sous sa k ap passé a en manquant en cassant pour nous arranger pour nous mettre si haut. Gon bagay que Philippe te dit ou même comme jeune c'est seul nous qui sauve Haïti et moi nan route que pays a pralé là pas gen l'autre possibilité c'est seul petit pays qui est capable de faire bagay pour lui on va parler qui choy Gary Conny New York Edgar Leblanc New York Leslie Voltaire New York trois délégations Soudo Maman Befla qui c'est Haïti. En pile l'argent a dépensé. Haïti a dépensé. Gary Conny avec un bol blé, l'a marché tout côté, l'a marché mandé. Dernièrement, il est monté aux États-Unis. Il est descendu, dans bol blé, il descend à 40 millions de dollars américains. Mandé l'explication sous trace 40 millions ça. Combien dépensé, combien crété, il n'a pas dit rien. Parce que c'est comme ça, ça a toujours fait. Le même tout, c'est exactement. Job parle là ça et c'est dans ça que li gen expertise li parce que monsieur fait toute ville a travaillé dans organisation monsieur fait n'importe 20 ans a travaillé pour Nations Unies ça veut dire que parti ça monsieur connaît et c'est l'île capable fait li gen compétence dans domaine ça mais n'a dit Gary Conny Haïti gan pile l'argent qu'a gaspillé et que son groupe de nèg qui assassine un président de la République, qui dans le secteur privé des affaires là, qui a boté l'argent ça, il a même pris les affaires personnelles. Yo. L'État est capable de récupérer l'argent. Dans la douane, il y a plus passé 500 000 dollars américains. 500 millions de dollars américains par année. Dans la douane, yo. Dans le port, sans pile l'argent. Mais par conséquent, son groupe de nez qui dans le secteur privé des affaires là, qui décide c'est eux-mêmes qui pourra faire l'argent ça, faire contrebande, rentrer tout qualité bagaille dans le pays, pas gagner cap bail comme résultat. Pas plus tard que hier, qui était 25 septembre 2024, là, m'entendez Dr. Gary Conny qui a dit comme ça que la match a pas de l'autre façon qu'il a fini, c'est peuple là qui a porté la victoire. Il dit c'est caille par caille, quartier par quartier, ville par ville, département par département. Moi, monsieur Kébé, même parole qu'elle te dit. Ya. Là, on parle monsieur de grand action. Monsieur dit que tel bagay nous pouvons comprendre. Et monsieur dit peuple là, nous ka vacuer. Alors, moun Delma, moun Pétionville capable évacuer avec occupation librement. N'a dit Dr. Gary Conny, combien qui sont vérité dans le pays d'Haïti actuellement là? Kidnapping dans BC, véritable solé. Parce que gon l'autre trafic qui a fait. Gon trafic d'organes qui a fait dans le pays et qu'on connaît, mon pa vle balil. Bon Dieu pour nous, pour une deuxième fois. Nous jouons mal pour honte, car sous tribune des Nations Unies qui répète le trafic d'organes. En 2023, dans la 78e Assemblée générale des Nations Unies, dans New York, Ariel Henry te dit, trafic d'organes a fait dans le pays d'Haïti, soit haïtien. En 2024, si je me trompe, 23 septembre 2024, Leslie Voltaire dit même bagarre sous tribune des Nations Unies. Ça veut dire que ça, il y a qu'un haïtien. Il y a des médecins qui prennent cœur haïtien, des médecins qui prennent rien haïtien, ok, pour exporter yo, à le vendre avec de l'autre nation. Ça veut dire que ça, il y a démonté haïtien pièce par pièce, tant qu'au bicyclette, tant qu'au motocyclette, tant qu'au pièce machine, pour que le vendre yo avec étranger. Moi, entendez, moi, comprends, et c'est véritable soli. Gary Conny pas dit quick. Mais Leslie Voltaire, dans ce monde, la Nations Unies, bon Dieu fait pour nous répéter ça, et son véritable soli.
bat bravo pour lui. Parce que Jean Gamon nan paye toujours dit, ou pas contre de l'eau passé, li rentre dans bois Jomon. Ça, ka peut-être fait que nous avons plusieurs sous nous et en pile fixation pour que vous ayez de nous résoudre le problème ça. Écoutez bien. Qui ça fait que Gary Koni a parlé de phénomène de sécurité, mais il n'a pas parlé de trafic d'organes qui a fait dans le pays? Trafic d'organes n'a pas fait n'importe qui, Jean. N'importe si bandit qui a kidnappé au monde, qui a campé pour voler les bagages sur le monde. Mais n'importe qui n'a pas fait trafic d'organes. Par contre, vous comprenez, non? N'importe si bandit qui a pas pris les armes qui kidnappent au monde. Mais n'importe qui n'a pas fait trafic d'organes. Est-ce que nous d'accord avec nous? N'importe qui bandit capable de braler les âmes sur le monde, braquer le monde, ou bien faire le monde monter machine, le maril, faire le côté force et famille, bye-cob. Mais n'importe qui n'a pas fait trafic d'organes. Est-ce que nous d'accord avec nous, papa ici? N'importe qui n'a pas capable de faire trafic d'organes. OK? N'importe qui n'a pas fait trafic d'organes. Maintenant, qui est-ce qui a fait trafic d'organes dans le pays d'Haïti? Et c'est ça la question. Qui est-ce qui a fait trafic d'organes dans le pays d'Haïti? Qui est association qui groupe des monde? Et chaque haïtien gon fixation sur ça parce que pas oublier, ou gen famille qui pas au prince, ou gen famille qui en Haïti. Il y a pile monde qui a disparaître. Il y a pile famille qui a prélé nous. Un gros ami qui est dans diaspora. Il dit il y a deux familles, deux monde dans famille qui sorti. Yo gen pote 15 jours pas jamais rentrer pas tande trace yo. Ça veut dire que yo pas tande comme si m'ta di on appelle fait et soit disant comme signal que yo t'a va kidnapper yo, li pas tande rien du tout et gon paquet de cas comme ça qui présenté. M'a pande tout moun ki gen moun ki yo pas tande al DCPJ al porter plainte là parce que fòk DCPJ pencher sous cas ça. Y a disparaître moun. Y a des groupes gang qui pas kidnapper moun encore mais qui fait trafic d'organes. Yo di nou ke, le ou pren kèw, le ou pren rèw, yo van yo pou an pil kob. Ça veut dire que li cher. Ça, nous dwe gon fixation sou li. Et nous pa dwe jouer avec ça. Trafic d'organes nan bel et bien existe en Haïti. Et la fête sou haïtien, c'est nous kap victime. Bandi, criminel, kidnapper, assassin dans secteur privé, ou nous pa gen kob pou nous payer kidnapping encore. Mais je dis, c'est nous qui avons décidé de prendre pour vendre organes, nous, vendre cœur nous. Tandis bien, vendre cœur, racheter cœur en dedans, démonter cœur, al vendre avec un étranger, démonter rien, al vendre avec étranger, et puis la reste bicoa, bouler ou bien enterrer le pays d'Haïti. C'est ça qu'a fait sous. Parce que vous dites comme ça que, moun yo pa gen kob encore, pour payer kidnapping, qu'on a à nous prendre au green bagre. Et m'a tout ça très bien. Une population qui sans défense, on peut plus qui sans défense. Yo qu'on a kidnappé la police pas qu'a fait rien. Qu'on yo imagine ou chaque moun yo prend que yo disparaît li. Ou imagine ou que moun k'ap fait l'argent dans trafic ça, comme il l'a fait. Et ben jodi hein, m'a demandé la DCPJ. M'a demandé la DCPJ. Et m'a dit ça à haute voix. M'a demandé tout haïtien qui dans diaspora partager ça pour nous. M'a demandé avec DCPJ. La DCPJ, la police nationale d'Haïti. DCPJ. Direction de la police judiciaire, DCPJ. Par contre, qu'est-ce qui est dans tête de Kounia? M'a demandé DCPJ pour lui mener une enquête pour nous. Sur les gens qui fait trafic zangui dans le pays, qui fait exploitation zangui dans le pays. La DCPJ, je dis bien encore, DCPJ, mener enquête sur les gens qui ont permis qui exporter zangui dans le pays pour nous. Parce que trafic d'organes en fait sous couvertise en guia. Attention! Quitter un pays avec organes moun pour aller dans l'autre pays, il n'y a pas n'importe démarche. Médecin, kap opère moun, kap prend que haïtien, kap prend rien haïtien, il n'y a pas n'importe médecin. C'est des experts que yo yé. Y a un pile de jeunes garçons kap disparaître. Y a un pile de moun là, oui, kap disparaître. Messieurs, dames, c'en est assez. Mande tout le monde à nous mettre en patte là. À nous mettre en patte là. Nous comprenons que oui, nous devons faire bataille politique pour nous écarter et cette traite. Écarter Gary Koni, débarrasser pays de groupe pour nous. Mais cependant, ce qui est important pour que nous connaissions, dans ce sens, nous, tout haïtien, nous mettons tête ensemble. Pour nous mettre tête ensemble parce que je suis sûr que c'est la majorité qui est victime.
minorité qui a fait bagaille ça fon konnèl fon konn tout moun yo. Alors de CPJ ou pas au courant de moun qui a fait là Gary Conny ou pas au courant de moun qui a fait là mais Leslie Voltaire dit côté le jeune ni fait bal information trafic d'organes en Haïti. Nous pral parler de ça dans émission ça. Jeudi en c'est 26 septembre 2024. Bon, jeudi a fait moi même manquer oublier même. Pas oublier. Moi tous amis qui voyer, moi recevoir cadeau après. Alors moi remercier tous les amis et qui gagne cadeau pour moi et qui voyer cadeau pour moi, moi remercier nous. Voilà. Moi remercier tous les amis nous yo. Et ça fait nous plaisir. Et ça qui est important, puis gros cadeau, c'est souhait. C'est moun qui vont envoyer des messages pour vous. Vous comprenez moi? Puis gros cadeau, c'est moun qui vont envoyer des messages, qui vont texte ou, qui dire envoyer des paroles, qui vont motiver ou sentir que présence ou important pour combattre les haïtiens, et bien justement, qui suivre nos plateformes. Ça fait nous plaisir. Je dis à ce 26 septembre 2024, sur l'autre côté café, qui monte sous tête nous. Dans ce sens, on a profité pour nous remercier grand Dieu, Jéhovah, qui nous force avec courage, qui est bien en santé. Nous ne sommes pas malades pour aller à l'hôpital. Nous en santé. Et nous disons bon Dieu merci parce que le protège pendant près de 3 ans que nous gagnons avec la plateforme YouTube et Foubeto, qui nous fait combat ça, nous ne sommes pas malades. Oui, il y a une tentative, mais grand-mère la protège. Moi, songe, Punta Cana, la caille, moi, un groupe moun pit, alors, crase pot caille, crase série, rentre la chambre, moi, parce que yo pense que m'te là. Grand-mère la protège, nous pas. Dans l'espace, dans le moment où la fête là, et nous sommes à peine dans l'espace là, après la vie de fête. Bon Dieu, protégez-nous en pile, et monsieur que nous avons plus de protection sous ce monde qui pense à attaquer, ou bien attaquer ne pas qu'on est, parce que bon Dieu, c'est la protéger, bon Dieu, c'est la épanouir, parce que de là, ou qui peut-être t'a pris la rouille, ou qui peut-être t'a pris un côté, ou mauvais anguille, ou mauvais yeux, qui t'a pas le croisé avant. Et bon Dieu, faut pas qu'il arrive. Ou du moins, ou passer sous l'île par où. Ça veut dire que grand Dieu Jéhovah, li ba nous protection. Et dans le combat ça que nous avons mené, me senti présence bon Dieu dans la vie, moi-même. Personne ne m'a dit ça. Oui, à partir de lutte ça que nous avons mené, me senti que bon Dieu dans celle-là renforce présence li dans la vie. Yeah. Parce que, messieurs, dames, il y a un pile de monde qui fait émission, qui a une nouvelle, qui a une position, qui a un ennemi. Mais je dis ça très bien. Nous avons un ennemi qui est puissant dans le pays d'Haïti. Nous avons un ennemi qui est violent dans le pays d'Haïti. Des monde qui fraîchement sont assassinés, un chef d'État. Qui te relè Jovenel Moïse. Des moun qui sont assassinés, premier citoyen, yon nation, yon président de la République. C'est pas n'importe moun qui yon. Nous pas qu'à jouer avec ça. Son gros combat. Mais n'a penel. Parce que nous assumons. Responsabilité. Bataille n'est pas facile. Mais n'a fait. Parce que fuck Haïti, joue une route li. Fuck pays ça, capable de sortir l'entrée qu'elle trouvait là. Nous pas arriver plus loin. Merci grand maître pour protection. Merci avec chaque graine, famille, zami plateforme YouTube Infobeto, qui toujours accompagne. Dans tout combat que nous avons mené. Merci avec tout compatriote moi yo. Merci avec tout allié nous yo. Ça fait nous plaisir.
Que bon Dieu bénisse chaque grain dans nous qui campé bon côté nous. Que bon Dieu bénisse Haïti nous. Moi mais nous en pile n'a continuer mener bataille là. En avancer. Dossier Haïti et la République Dominicaine. Luis Abinadel pas suspend frappé. Luis Abinadel pas suspend attaquer. Luis Abinadel pas suspend dit de bagaille mal de nous. Luis Abinadel montre que Haïti ça qui est là c'est Haïti pâle mais le senti que pas satisfaire de salte alors de dans Jean le besoin Haïti a. Songez, eh bien, et ça qui m'a dit ou, n'importe gens ça y est, faut nous mettre leader panouan au pouvoir. Pour plusieurs raisons. Parce que, monsieur Damou, kono bagay, ou kon le ouè un problème, li ka rezoud, ou e gen moun ki gen volonté ki capable résoudre problème nan, ou e gen moun ki gen stratégie ki ka résoudre problème nan, et pour un groupe de moun ki décide de manière volontaire, pour que le problème n'en pas résoudre et à barrer la route par tous les moyens avec moun ki gen volonté pour problème n'en pas résoudre. Messieurs, dames, tenez bien. Moun ap mouri Haïti sans camper. Crime ap fait toute la sainte journée. Bandi ap kidnappé, bandi ap tué. Kou commissaire Muscadin vide gang à terre ou est que gon équipe détracteur KPC fait tout ça qu'il est capable pour faire comprendre que Muscadin tout est innocent. Monsieur dame, ou est-ce que dossier, commissaire Muscadin vide, on mab, gang à terre, ou t'en dégou paquet neg, qui propose allier Muscadin, APC, disons c'est de bagay, m'a dit monsieur, l'osan m'a avec un monde. Pas fait, ti jouet ça, tout pour n'ap comprenou. Et bluff lan, ligue limite. Moi-même, sa commissaire Muscadin voye ba mouen. Ça commissaire Muscadin voye ban mwen. Moun kèl vide a te comme gang nan. S'il leve encore et pour Muscadin fizye encore. Tande bien? Ça commissaire Muscadin gen nan men comme indice. Ça m'ap di ou? S'il leve, Muscadin doit vide la tanko. Ça Muscadin gen nan men comme indice. Attention. Le gang ap kidnappé, ap fizye, ap tué, mwen ek suspend fè live. Mais nous focus sur Muscadin. Ça veut dire que nous besoin pour Pierre Espérance faire Muscadin devenir Jimmy Cherizé barbecue. Nous ne pouvons pas supporter ça. Et Muscadin a sorti dans tête pas qu'il y a la vie prend primature là ou bien par le national. Et m'a prendre tout le monde Miragouane, rete mobilisé. Ça qu'a fait la nouvelle, nous comprenons ni, et nous fait plus que 3 ans depuis nous vivons li. N'ap sorti avec Muscadin dans tête pas qu'il y a n'a vin mettre dans le palais national ou bien dans primature là. Et n'a dit, c'est tabou la raza. Et faut prendre des décisions drastiques contre vagabond en de pays ça. N'a pas tourné sous dossier commissaire Muscadin parce que me dit Muscadin continue faire travail ou et moun Miragouane peuple haïtien continue rete mobilisé. Parce que ça qu'a fait là nous connaît et nous wel. Et n'a baille, n'a faut mise en garde. Baille. Ministre justice Kalosekil. Ministre justice qui dans gouvernement de facto. Attention. Madame ou petit tout à vivre bien aux États-Unis. Et pour même petit peuple là, ou pas vle moun ki kabal sécurité pour sécuriser. Ou ap se chita avec des voyous pour nous capable livrer grand sud là, pour gang capable occuper grand sud là. Et puis pour nous faire Muscadin devenir gang. Et bien gang ça nous bien faire devenir la vin président bien premier ministre. Et nous ça n'a faut arrêter nous tout comme gang. Un méchant. N'a pas tourné sous ça parce que ça révoltant. On avance sur le dossier Haïti la Dominicanie. Luis Abinadel parlait des Nations Unies de Haïti. Monsieur dit de bagay, sans hypocrisie, Mabdil, il va que monsieur dit c'est vérité. Mais par conséquent, Abinadel, pape Jean me dit que, il fait Haïtien en pile abus en Dominicanie. Si bébé petit Haïtien mourit dans l'hôpital, yo prend ti bébé petit haïtien al fizye yo. Dossier ça, il te fait pile parler de li. En Dominicanie. Ti bébé petit haïtien jusqu'à maintenant,
gagné photo ti bébé ça yo ti bébé qui assassiné sur sur computer non nous gagné nous style gagné là OK nous gagné vidéo et photo ti bébé petit haïtien yo qui ont été prendre l'hôpital sur Dadon Bosch dans Santo Domingo OK yo t'al fizi ti bébé ça yo et la presse dominicaine t'es mandé Abinadel tu poses Abinadel question sur ça Luis Abinadel pas de répondre. Est-ce que nous l'avons? Il va te répondre parce que le dossier, ça t'est grave. Et c'est un dossier que tu as fini, monsieur. Assassiné. Yon ti moun ki fek kite votre maman, yon ki pran yo, al fizye yo. Et dossier sa, gen yon journaliste dominicain ki te pose Abinadel question. Ki sa l'ka di? Sou lan mo ti bébé petit haïtien yo, Abinadel te di, sa l'kouri di, ou gen ti bébé petit dominicain la dans le tout et dossier ça dans le ministère de la justice alors dans le ministère santé publique et a traité li mais sauf que le cap ou ka di plus sous li ça veut dire que ça dossier c'est les vérités qu'il te mais Abinadel ouais ça si que haïtien décide prendre ça pour faire la route ensemble avec ça veut dire que son dossier capable fini monsieur probablement et ben nous demandons support tout haïtien à travers le monde entier pour t'aider mener combat nous pas vraiment joindre haïtien camper bon côté nous pas vraiment joindre frères son haïtien camper bon côté solide OK nous pas vraiment joindre haïtien camper bon côté solide est-ce que nous là et mais nous te mener combat ça qui pour bail comme vérité a nous te partager là avec pays a et peuple là t'entendel et au comprendre nous et nous même nous dit nous pas négliger continuer mener bataille là parce que c'est responsabilité pan son engagement que nous prend pour nous capable mener combat pour nous permettre que pays sa jeune route li n'a continuer mener véritable bataille ça c'est qui c'est combat pour que haïtien capable jeune un pays qui vivable pour tout même gens un oligarque gain garantie et que le capable vivre haïtien doué capable vivre dans pays créer des activités pour que li capable vivre dans pays normalement faut que l'état mette sécurité dans pays a pour moun ka fonctionner monsieur dame pas me dit nos bagay Abinadel Luis Abinadel OK Luis Abinadel c'est président République dominicaine. OK? C'est président République dominicaine. Abinadel te quitte gen problème avec Jovenel Moïse. Pas oublier Abinadel sous deuxième mandat là maintenant. Parce que à plusieurs reprises Abinadel qu'on a maltraité haïtien en Dominicanie. Et bien, président Jovenel Moïse, qu'on fait, monsieur, stopper, et rapide, vite, président Jovenel Moïse, décision qu'il te qu'on prend lui-même, rapide, vite, c'est fermer frontières, rapide, et puis, Abinadel, avec équipe li, obligé, repenser bagay yo, parce que, agriculteur dominicain yo, businessman dominicain yo,
qui fait business avec Haïti seulement, business yo ap krasé, produit yo ap gâté, nan sens ça, yo gen pour obligation pour que yo fait tout ça que yo connaît pour yo suspend avec mouvement à maltraiter haïtien, yo façon pour que eh ben président Jovenel Moïse capable réouvrir frontière. Abinader montre un pile signal que li gen problème avec haïtien. Mais par conséquent, problème Haïti avec la Dominicanie, li pa daté jodi a. Son bagay ki la depuis un bon bout de temps. Li gen bon bout de temps depuis là. Ça veut dire qui ça? Depuis l'homme levé, nous toujours tande bataille contre haïtien Dominicanie, gen haïtien qu'on a travaillé avec famille dominicain, haïtien qu'on soit mal soit gen haïtien qu'on coupe tête famille dominicaine. Pas oublier, je dis haïtien, gen haïtien c'est dominicain oui. Yo pa konnen rien de Haïti. Mais par conséquent, lè yo fon zak en Dominicani, yo di c'est haïtien qui fait. Petit haïtien qui fait en Dominicani, qui poko jam vin Haïti. Yon fois, même créole li pa parler bien, mais lè fon zak son zami dominicain, le bien en bataille qu'il y avait son zami dominicain, tout dominicain dit c'est haïtien qui fait zak là sous dominicain. Nan sans ça yo fait tout haïtien pays. Et c'est comme ça que yo fait depuis longtemps. Et dans province dominicain yo nan dominique côté dominicain côté dominicain agriculteur yo gien haïtien qui contribue dans bataille avec yo mais ça kon ba en pile problème nan sens ça en pile haïtien kon victime pour ça seulement ça veut dire que bagay depuis l'heure m'a pleuvé m'a tande yo et dans pays c'est côté qui bay en pile haïtien qui a vive en dominicanie parce que pas oublier l'on parle de sud-est nous coller nous gien frontière avec la dominicanie qui c'est en sapit et son frontière que me connaît bien. Ça veut dire que en pile haïtien dans pays, yo pas même compte Port-au-Prince même c'est la Dominicanie yo gagne. Gagne haïtien dans pays, yo fait business en Dominicanie. Y achète du riz, pois, maïs, sucre, pommes de terre tout bagay, comme si bagay manger, yo achète la Dominicanie pour vendre dans pays moi. OK? Ça veut dire que yo pas même compte affaire qui le Port-au-Prince là. Gagne moun le Port-au-Prince bloqué, yo pas connait, yo pas ça le Port-au-Prince bloqué parce que yo pas vivre de Port-au-Prince. Ça faut ouais, le Haïti avec la Dominicanie bloqué, business moun ça bloqué. On connaît ça. Surtout pour moun zone Tchot, zone Boukan Guillaume, zone Nabanan, zone Ansapit. OK? Ça veut dire que moun sa yo fonctionne avec Tchot, avec et la Dominicanie. Mais m'a dit nous que j'ai gamon nan pays toujours dit chemin bouton c'est chemin malin. Haïti commence à dégrader c'est avec politiciens haïtiens qui commencent ba exam en Haïti. Avec des groupes armés. Abinader, où est-ce qu'a passé ya? Et puis il dit, il y a une possibilité pour la Dominicanie tout bon là. Et m'a dit nous ça. La Dominicanie bon, gon assurance que la bon sou Haïti, c'est à partir de fin année 2019. Fin année 2019, la Dominicanie gon assurance que la bon sou Haïti. Parce que à partir de 2020, violence politique là tellement vin enragé. Eh bien, moun commence à quitter Port-au-Prince pour rentrer la Dominicanie. Donc, moi-même, c'est un moun qui te getan ap arrange pour que moun gade comment m'da monte. Ça veut dire que, calcul pour monter la Dominicanie depuis 2020, Haïtien ap nourri de sa même javem. Eh bien, le sa, Haïtien ap monte en Dominicanie à la famille kaye. Parents Haïtien ap monte en Dominicanie à la famille kaye, fait préparation pour petit yo, tout ka l'école l'autre bois. Gon l'argent! Cap quitte Haïti pour aller renforcer l'économie dominicaine. Je voulais chaque grand haïtien partager mission ça pour nous. Ça fait le nom William Ruto met tête li avec Luis Abinader. Jodi a pas prendre ça pour blague. Pas prendre pour jouer. OK? Pas prendre pour jouer parce que c'est pas jouer que lié. C'est une alliance conjoncturelle et qui vraiment gagne des intérêts clés là-dedans. Li pa yon alliance naturelle, li pa yon alliance, son alliance stratégique, son alliance conjoncturelle, qui favorise la Dominicanie, gon gros contrôle sur Haïti. Et jodi a, et tout média dominicain dit, tout ça qui a passé sous béton en opération la police, la Dominicanie gagne rapport sous li automatique. Kenya gagne rapport pour le bail ambassade américaine. Elle gen rapport pour le bail Luis Abinader tout. Nan akò ke
président pays Kenya signé avec l'État dominicain, dont Luis Abinadel, li gen pou bay rapport sur chaque action que force la mène en Haïti. Ça vient faire que, naturellement, force que nous gen en Haïti, li vin yon espion automatique qui travaille pour la Dominicani. Parce que, pas oublier, lors gen des groupes armés qui sortent dans notre pays, qui soi-disant vin edo dans affaires sécurité, et puis li gen rapport pou bay avec un autre pays qui pa fin trois remon, et qui remet état koye, parce que li nan ete intérêt économique li, ou pas jam sorti, et ça que fouet, Kenya pas pour opération, opération sérieux fait. Et m'tap tande, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui te font déclaration, monsieur te dit comme ça que, l'autant des forces étrangères sous sol ou, c'est meilleure façon pour déstabiliser le pays ou plus, c'est meilleure façon pour que yon rende pays a invivable, instable plus. Ça veut dire qui ça? Le troupe l'a vini, yon gen contrôle toute opération. Koun yon la vini, gen contrôle même force ko gen dans le pays. Et bien, le force pour l'en déployer pour t'aller une opération pour craser, on se le groupe gang, yon campé en quoi? Yon interdit ça même. Yon dit soit avancer là, mettre le problème kap gen, et bien, vini fait que, fok, avait dit que le groupe étranger l'en vini, sous façon pour vini consolider espace. Ça gagne là pour consolider l'insécurité généralisée qui gagne dans le pays. C'est-à-dire que les troupes Kenya, nous devons connaître le clair, les vins consolider l'insécurité qui finit avec les peuples haïtiens pour que personne ne pas résoudre le problème. Parce que, pas oublier, qu'on dimension que, pas oublier, Ariel te fait demande pour force multinationale depuis en 2022. Ariel te fait de manière stratégique, yon façon pour que l'idée capable aider le gérer pouvoir pour te protéger espace li. Mais Ariel te vinoué tout en 2023, c'était 23, 24, 25, 26, 27 avril dans canapé vert, gen possibilité pour gang nan craser parce que peuple là te lance une opération comme si racheter tête bandit quel que ça sacrifie arrivé parce que peuple a décidé pour le faire une seule bataille fin avec tout bandit sur territoire peuple a été décidé pour le faire ça. OK, peuple a été décidé pour le faire ça. Est-ce que nous là peuple a été décidé pour le faire ça? Pardon. Peuple a décidé pour te faire ça. Eh bien, le Ariel, ouais, peuple là, pral libérer tête li, elle a tout profité, débarrasser de coalition gang nan, qui au pouvoir, eh bien, ouais, neg yo, de manière stratégique, 1er mai 2023, Ariel vient avec un discours qui est de Michel Balli. Et puis il traite le peuple de sauvage. Il dit nous suspendre avec le mouvement sauvage là. Pas agir comme ça. Et puis, France LB fait pression sur tout commissariat qui est dans la zone métropolitaine. Ça qui est déjà mobilisé, ça qui peut être mobilisé, qui t'a mobilisé pour que vous aidez le peuple là. Mener opération Bois Caléen, parce que c'est un mariage police-population à l'époque qui te bien résultat Bois Calé solide pour tout bandit. Tout bandit dans la zone métropolitaine, t'es peur. Et je garantis, aujourd'hui, nous ne pouvons pas éviter l'homme. Jodi pa tap gen la mon sanjou, pa tap gen Izo, pa tap gen Tilapli, pa tap gen Jeff, pa tap gen un pièce bandi. M garanti ou, parce que peuple la tap jere problème nan. Et ça quoi tout bandi te peur. OK? Tout bandi te peur. Et ça, li important pour que nous connaisse. OK? Ça li important. L'important pour qu'on connaisse. Et mais je dis, hein, faut que chaque Haïtien connaisse que l'État pays d'Haïti est là, il y a intérêt la Dominicanie à plus que 1000%. Et son bagage que nous ne pouvons pas faire avec émotion.
Sou ba ki nou pa dwe al fè comme si m dadjou nan joure nan wololo nan fè nan fè non. Sou ba ki dwe réfléchir ou garder calme ou étudier situation ou diagnostiquer problème nan et pour venir avec médicament ou solution qui approprié. Sa gen la système politique ko gen Haïti a pa ka reti ou la dan parce que yo gen avantage yo la dan. Et yo pa vle pour que moun ki propre, moun senti bon, moun ki gen discipline, moun ki rem Haïti, moun ki patriote, fin pran tèt peyi a pou pa mete en question tout sa k tap pase nan peyi a. Et de fait, gen pile entrepreneur dominicain et politicien dominicain ki prêt à supporter quel que soit candidat système nan pour aider au consolider ça que yo met en Haïti, ça que yo aide finance en Haïti, qui c'est insécurité généralisée, qui fait que Haïti a sens unique à recevoir seulement la Dominicanie sans que nous pas ka voye aller. Est-ce que nous la peuple haïtien? OK? Ça veut dire ça que là c'est parti ba répéti. OK? C'est bon, tu vas répéter. Son gros bagay que lié. Et faut nous comprendre ni. Faut nous prendre responsabilité, faut nous prendre engagement contre situation ça gagne là. Et nous-mêmes, tellement vinn comprendre ni, me dit ouais, l'homme a parlé de dossier Haïti. Avec la Dominicanie, m'pap jam bat pour me faire colère pour me bagay non. OK? C'est important. Alors qu'on est jeudi à fête moi, en pile zami a écrit nous là, en pile zami a écrit nous. Il me salue toutes zami qui voyaient soir pour nous mes amis, chapeau bas, en pile l'amour pour nous, que bon Dieu bénisse chaque gren dans nous et me saluer et moi m'a dit bonne fête avec chaque grand monde qui a fêté fête aujourd'hui en tout monde 26 septembre monde septembre monde bon bagay yo ouen moi me salue nous ouen moi et li important et ça yo c'est le bagay qui nous doit parler avec peuple là parce que ça gen là messieurs dames li pas en jouet li bon petit bagay petit le n'a pas de dossier Haïti avec la Dominicanie nous doit garder calme nous son dossier qui très important et on bagay qui m'a tout mandat haïtien. On regarde, m'pa konn ki e fòk kalite fòk ka fèt. Parce que dans diaspora, moi que politique plus divisé non. Parce que moi elle me comprend ni. Politique vin divisé non. M'ap mande comment nous ka fè pour nous que nous ta uni non. Et je dis à pile moun ki pare même dans diaspora, c'est parce que elle c'est la valas, c'est parce que elle c'est lycée supporter et supporter comment elle moun fusion yo et moun tipis bozil kon ba yo job tel bagay moun sa tout c'est partisan Jacques Sauvé Jean c'est partisan Evalier Beauplan et Neglouil la c'est partisan et Aristide Lavalas et PHT Kalimateli c'est partisan tel bagay comme si moun sa ka pare même mais kon ba ki m'a dit ki sa ka fè pour nous entendre nous m'offri tête moi pour que nous même nous parler ki sa ka fè pour nous entendre nous pour nous jouer une solution. Parce que nous l'aide en pile devant yeux le monde entier. Ici, aux États-Unis d'Amérique, Haïti vient sans respect. Messieurs, dames, on nous fait bagay, on nous fait choix, on nous dit tête nous ne pouvons pas continuer comme ça, on pour décision réelle, pour nous sortir tête nous dans ça. Nous capables. Oui, quoi nous capables. On prend décision, messieurs, dames, pour nous retirer Haïti là. On prend décision pour nous permettre que le pays en genou li. On prend décision ça. On fait ça au maximum. Pour nous permettre que Haïti vraiment, vraiment saute dans ça. On croit que nous sommes capables. Et c'est volonté pour nous guerre. Volonté réelle pour qu'une guerre. Ndil, nous connaissons nous capables, mais c'est volonté réelle pour nous guerres. À nous mettre tête ensemble. Pour nous garder qui ça nous a fait.
Parce que sous canal là, dans ce premier temps, pas de Lavalas, pas de Fusion, pas de OPL, pas de ceci, pas de cela. Tout le monde te met tête ensemble. OK? Tout le monde te met tête ensemble. Elle est important pour qu'on comprenne ça. Tout le monde te met tête ensemble. Son véritable responsabilité qu'elle y a. OK? Son véritable responsabilité qu'elle y a. Combat maintenant, on va continuer Menel parce que nous quoi que c'est là et que Haïti est capable de jouer une route li. Et c'est là Haïti est capable de jouer une route li. Il y a une façon pour que nous permettre que pays en soutien ça qu'elle trouve là parce que ça qui est là li compliqué et nous devons camper pour nos batailles pour pays a capable sortir la situation difficile effectivement que les trouver là. Et moi quand moi tendez, moi comprendre en pile bagaille, mais dans pile son de cloche, mais sauf ça que m'a dit et dossier ça, dossier Haïti, la Dominicanie, pas prendre pour jouet. Pas prendre pour jouet et les 100% et plus même économique. Ce bagaille, c'est raison économique qui cause Abinadel fait alliance conjoncturelle ça avec William Ruto. C'est raison économique. Et me dit nous ça très bien. Force Kenya ça, ouais qui m'a enragé. On nèg pote bourré pour forcer nous prendre. Jean ou fait prendre là, c'est pour nèg consolider ça au métatéa qui c'est insécurité généralisée. Raison qui cause Abinadel à l'aise avec et William Ruto comme ça, c'est pour capable protéger ça en bas qui c'est insécurité qui n'a avantage la République dominicaine. Pascal, bienvenue frère, comment nous et moi salut Roberto, moi salut tous tes amis internautes. Bon, et nous là, on a continué à faire distance et nous toujours disponibles et pour nous continuer travailler là parce que et faut chaque monde joue et partition paille dans bataille pour nous libérer pays hein, et pour nous reprendre droit grand d'être nous et pour n'importe qui pays et sans histoire. Et des peuples, là avant, c'est nous qui avons montré comment puis vous bossez bouche, et comment puis vous mangez, comment puis vous habillez, et vous dites à ces gens, et qui vivent les vins, et vous capable de dire, vins dominer nous. Parce que, sous point, et la République dominicaine, et pendant, vers les années 40, Dominicains ont quitté la République dominicaine, et vins en Haïti, vin chercher la vie parce que t'es gain misère en République dominicaine. Bon, et capable dire et pendant et plus que 30 dernières années là et des décisions politiques que nèg ici apprend et sous dictat et occident et conduit nous contenir aujourd'hui là et bagaille la République dominicaine non. C'est pour un bagaille qui pour nous prendre à la légère. Et son bagaille qui m'a suivi. Et. Ça a environ 3 années que m'a suivi bagaille ça. Et il y a un pile de monde qui peut comprendre qui joue le cap jouer. Et il faut mettre bagaille dans la dimension qui est liée. Et il faut garder. Et William Ruto. Oui, faut analyser le faut pas aller dans le contexte. Non, mais qui est-ce qui cachait derrière monsieur Sall? Très bien. Parce que l'homme William Ruto avec Abinadel qui jouait il a joué avec Haïti là. C'est joué d'Occident, oui. Parce que et ouais question et soldat dominicain vient sur sol là. Ou par contre depuis qu'il est et États-Unis a préparé bagaille ça depuis là moi ouais yo t'a fourni matériel la guerre avec la République dominicaine et yo t'est arrivé même nan question formation
et pour militaire dominicain. Bon, et nous rappelons, et pendant yo t'a fait entraînement ça yo, et gagnon hélicoptère qui tombé avec yo. Oui, t'es un hélicoptère qui tombé avec. Laisse ça. Et laisse ça, moi te pose tête ma question. Moi te dis à qui pays la République dominicaine va l'anguer? Pour toute préparation ça yo, mais préparation c'est pour et Occident utiliser spécialement États-Unis et pour utiliser la République dominicaine et pour et continuer et incapable d'y humilier nous parce que son politique raciste très bien il a pas appliqué face avec nous il a pas appliqué et vis-à-vis Haïti parce que nous te fait 1804 et son bagage qui est pas jamais digéré pour nous et c'est ça oui qui a fait là et Dominique est au bon côté pas yo yo mal en ces histoires yo toujours dit yo nous t'es occupé à une époque yo pas dit c'est sauver dal sauver yo en bas mes espagnols yo qui t'es venu mettre en esclavage yo pas dit ça et bien yo même comme yo mal et bah yo histoire yo dit nous t'es nous t'es occupé yo et sous voyez eh bien volonté la République dominicaine c'est ouais et yo même yo vinn là et yo dirige l'île là et c'est ça à regarder sous son cadre que Google est publié ou après retirer Haïti sous quatre là quatre l'île là yo mettez seulement la République dominicaine là dedans c'est ça oui avec son gros projet qui est lié. Et c'est Occident qui cache derrière. Parce que, depuis bon bout de temps, il y a parlé de l'île Saint-Domingue. Et bien, il y a une question de l'île Saint-Domingue. Pas de la République Dominicaine, non? Et l'île d'Haïti. C'est à le référer avec la première constitution pays, qui c'est la constitution impériale, la constitution est 20 mai. Et 1805 là, et bien il parlait de l'île et l'île d'Haïti. Et c'est bataille ça gars là. On connaît et ces derniers temps là et Abinader prend un pile frappe avec bagaille ça. La Russie frappe. Il prend pile frappe. Là et la Russie frappe et là le fou est bouche nos affaires et Venezuela et Maduro frappe, eh bien, qu'on y a et l'a cherché comment et pour arranger là et avec Outo, en plus pour voyer et soldats là et pour le capable de contrôler l'île là. Et projet là, c'est pas jodi à la projet, ça pas appliqué. Et comment ça pas appliqué? Parce que, en cas d'assassinat, président Jovenel Moïse, qui côté et mercenaires colombiens yo fait scalio manger yo fait photo devant palais République dominicaine yo fait photo sous plage dans hôtel tout côté net dans ville là tout côté après ça yo rentré en dans pays yo vient assassiner et pas oublier c'est son avion yo ancien candidat à la présidence dominicaine qui ancien ministre travaux publics dominicains qui est le Gonzalo Castillo c'est son avion monsieur que rentré en Haïti pour assassiner le président. On avance. Oui, puis on vient assassiner le président. Et d'après des sources qui allaient plus loin, des cobs qui passaient par banque et Saint-Domingue, la République dominicaine. Oui, il y a plus d'informations qui se gèlent sous ça. Et des cobs qui passaient dans la banque. Et on regarde, le projet A, c'était arrivé avec assassinat président, parce que dès pour tomber dans l'assassinat président, ou voilà non chaos total. Total. C'est là où tu as besoin de nous. Parce que la mafia nationale ou internationale, yo entend yo assassiné président. Et puis yo ka mené pays non Pascal, chaos total. Pascal, on nous courir prendre un discours de Galet Blanc pendant que le public capte de nous là. On avance. C'est là direct. Eh bien, OK. Excellence, et mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames, messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes,
j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire Général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien. Tout à l'heure, alors c'est Edgar Leblanc. Et mettez-vous sous mute, Pascal, pour nous cas. Et en attendant, après pour nous capables passer. Sous mute. Ok. Seront gravés dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pense à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio, aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale,
ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voies, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne, puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de COVID-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien,
elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du 21e siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la Révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. Et à ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays.
Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif. Le progrès de mon pays, la fierté, la dignité et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un état de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire. Alors voilà. On va avancer.
capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des trois dernières décennies, notamment la MINUSTAH. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparations pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace
a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entremise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect. Le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette indépendance, interdépendance, que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée pour compte. Vive Haïti! Vive la coopération internationale! Demain, un autre pays,
demain un autre monde. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie au nom de l'Assemblée le président du Conseil présidentiel de la transition de la République de Haïti. Voilà. Pascal, au cas où tu es soumis, où là, Pascal? Moi là, oui. M'a quitté, alors, m'a quitté ou intervenu d'abord, et même pas vraiment gagné. M'pas vraiment envie faire commentaire maintenant. Mais sauf que tout d'abord, m'a dit ou, gon intervention, monsieur, fait moi-même m'apprécie, même pour qu'on voulait faire commentaire. M'vle qu'il doit avancer. Bon. Et m'tap suivre, discours Edgar Leblanc. Très bien. Bon. Son discours, yon coup de l'eau chaud, yon coup de l'eau frette. Un coup de l'eau frette. Aïe, 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 garçon, moi d'avancer. M'gon non correct. Oui. Oui, parce que, y'a des côtés, li tape et communauté internationale là. Oui, dernier parti. En même temps, j'écoute tout. Et na commencement et Edgar Leblanc a commencé à chouchouter. Oui, vous voyez parce que na commencement voyez fait pour yo parce que l'aime dans Edgar Leblanc parler de et soutien international là. Solidarité. La question et la question et sécurité violence que pays a et après on dit et moi poser peut-être ma question m'a demandé et de qui pays Edgar Leblanc t'a parlé dans commencement parce que moi-même moi pas ouais et soutien ni solidarité internationale là bah ouais parce que l'en garder et Jean bagaille au quotidien fait parce que en garder est-ce que communauté internationale spécialement États-Unis et li bloqué trafic zam k'ap sorti la kayli pour entrer en Haïti. Bon, et c'est parce zam ak munition. Bon, et moi pour qu'on voit ça. Et l'autre bagarre encore. Et en pile gros malfaiteur qui participait et non déstabiliser pays là. Bon qu'on voit ni poser aucune action concrète et communauté internationale la même pour montrer qu'elle voulait bail Haïti en coup de main avec nèg sa yo parce que et tout monde connaît gros mal fait que ça yo pas bon ici cap déstabiliser pays là et c'est tout monde et occident yo et c'est job occident on t'a fait là bon mais nous pouvons voir côté li vraiment il dit la prend et des sanctions sévères non contre Etimoun Nio parce que on regarde dans cas Joseph Michel Matéli bon il reproche lui des questions trafic de drogue il reproche lui des questions et monter gang dans pays mais on va en écrire non parce que nous tout connaît les États-Unis dit la sanctionner nèg qui dans trafic de drogue qui ça le fait c'est arrêter le mettre en prison et go paquet l'autre toujours. Et de lui-même, sanction contre eux, oui, nous connaissons. Et sanction, nous ne pas dire sans conséquence et sous nègre. Mais, ils sont toujours dans la rue, ils continuent avec activité. Bon, en regardant, je dis à la Victor Poufan et les États-Unis, beaucoup de. Et voilà. Pascal, où avez-vous? Il était hier. Parce que, moi, je dis, on l'a, monsieur sanctionné ça, il a pris mon côté, il a pas dit, chochonnette, comme il a sanctionné là, et ça a des conséquences sous business, sur son paquet de bagaille, eh bien, y a, comme il a là, oui, eh bien, il a organisé, il a continué de déstabiliser le pays. Pas jamais pensé, mais monsieur est sanctionné ça, pendant sa capacité là. Mbawe solidarité hein il parle de appui non aide alimentaire même beaucoup elle et l'autre bagaille moi elle dit il parle de ami
et elle parle de les pays amis. Le m'attend de et d'Haïti. Bon, vous me posez cette question et est-ce pays que Edgar Leblanc a parlé qui dit ses amis Haïti, est-ce que vraiment et yo ses amis nous et yo pas même allié nous-mêmes voir bien tes amis nous. Parce que si nous avons parlé de amis Haïti, nous avons parlé de fédérations là, mais nous ne pouvons pas mettre ni la France, États-Unis, Canada dans un pays qui est amis pays d'Haïti. Bon, nous avons amis, et puis nous avons contribué à mener nous là. Nous avons accompagné un groupe malfaiteur pour ici pour mener le pays à côté de là. Même pas les amis, et Moussa Ali mal et son. Et là, monsieur parle des questions insécurité alimentaire et lutte contre et dans le monde là. Mais tout pays qui a un problème insécurité alimentaire, ça, c'est pays qui prend des décisions comment puis résoudre le problème ça. Mais pas bon là, c'est pas nous. Et même autorité ça, c'est vous, mais vous m'en avez, c'est corruption, c'est deux ordres à faire. Mais est-ce que vraiment yo prend des décisions puis yo dit bonjour dia et monde la menacé avec question et sécurité et insécurité alimentaire et aiguë mais qui ça ne pral faire et dans agriculture est-ce qu'il y a suspend voter l'argent pays a ça n'est pas clair le rivé parce que je dis là oui monde la menacé avec question insécurité alimentaire aiguë. Mais tout pays ça yo il y a quoi qui j'ai pu faire pour éviter plus moun la caillou tomber dans grand goût. Bon, toute action que n'est pas bon ici t'a posé, c'est action pour mener plus moun dans population dans grand goût et grand goût bedon et monsieur lui-même et il parlait d'un bagage qui est important. Ça fait me parler d'un coup d'eau chaud, un coup d'eau froide. Eh bien, parce que c'est avec Jean-Jacques Dessalines, et la question des droits de l'homme, non? Et il était ineffectif. Et il était la droits de l'homme, non? Il était universel. Parce que les Occidentaux ont parlé de droits de l'homme, c'est droits de l'homme blanc. Mais nous-mêmes, nous t'es allé au-delà. Et question droit de l'homme blanc c'est droit monde droit de l'homme en général ni blanc ni noir parce que c'est nous qui venons et parce que les droits de l'homme non les pensées et en France mais les vins effectifs et à ces domaines avec esclavage et sous leadership et de Jean-Jacques Dessalines bon et ça lui-même c'est en vérité. Et l'autre bagay encore, nous parlons de coups de chaud et M. Baynegyo, là, il parlait des questions et rançon. Parce que tout le monde connaît ça, la France te dit, c'est dette là, nous t'ai toujours dit, c'est pas une dette nous t'ai gagné envers la France. Parce que c'est goumé, nous t'ai goumé et nous prenons liberté nous. Nous goumer, nous créer l'État. Et bien, qui ça n'est que vous faire? Et vous organisez, vous faites pression, et vous prenez une rançon. Et non, mais non. Et rançon ça, et jusqu'à présent, et pays a payé, et conséquence, et rançon ça, et Galop Blanc est clair. Et il parlait de restituer, vous devez restituer l'argent. Et réparer. Parce que si vous condamnez l'esclavage, et comme ça et c'est un crime contre et l'humanité mais côté crime qui est-ce qui criminel là et bien la France je dis elle doit nous et réparation avec restitution mais nous pas besoin la charité non mais la France et États-Unis tout parce que c'est pas seulement La France, mm-hmm. États-Unis et en 1900,
sans occupation. Et c'était exproprié paysan, écrasé et production et nationale. Et tout est paysan. Et parce que bilan occupation américaine, non, c'était un bilan nettement négatif. Son bilan négatif qu'il dit. C'est un petit bagaille qui a été fait là. Et bon, pour ne pas dire et bilan était négatif net, mais son bilan était presque négatif. Parce que, regardez, la question expropriation et paysans, et laisse ça pas jouer une quantité paysans obligés quitter Haïti, aller en République Dominicaine, et ou pas jouer aussi des contrats avec des compagnies étrangères, et pour craser production alimentaire, côté pour planter et planter, faire caoutchouc. Et occupation américaine dans tout, et occupant eux, et volant paquet de bagaille en d'un pays. Et avant même l'occupation américaine, et États-Unis ont effectué ça, et vol armé. Dans la Banque centrale, ils ont levé réserve l'ONU, y a la velle, la caillou. Et États-Unis. C'est n'importe deux fois ça, en fait, oui. Et Fouille, j'en ai venu de casser reste là, oui. Oui, bon, Debout dit, et gouverner dans un système organisé, côté Banque centrale, c'est sous dictat institution financière internationale. Eh bien, tout le monde qui est directeur et Banque centrale là, et gouverneur, tout le gouverneur de Banque centrale passe dans la tête. Tout ce job occident qui a fait, oui. Occident. C'est toujours l'Occident, oui. Il n'y a pas de travail pour Haïti, non? Et pas aucune institution qui vient contrôler et sous la Banque centrale. C'est l'international qui contrôle la Banque centrale. L'on prend ni exécutif, ni législatif, ni judiciaire, pas aucun contrôle vraiment sous la Banque centrale. C'est eux qui ont contrôle sous la Banque centrale. Et tout le monde qui est dans la Banque centrale, c'est les gens qui travaillent pour eux. Eh bien, nous ne sommes pas étonnés que ces fruits de gens qui étaient cassés encore pour eux, non? Eh bien, en regardé et 1794, et Yovini, eh bien, qui ça a fait? Yovini, mais j'en mettrai la récite là, et bien, et d'elle, et craser l'armée, pour conduire nos côtés aujourd'hui, craser les productions nationales honnêtes, et même Bill Clinton, lui-même, il pourrait accepter qu'il fait payer à gros temps, non sans ça. Mais, est-ce que on sait pardon qu'a guéri blessé ça, yo? Moi-même, je vous dis, et responsabilité, hein, et les grandes puissances occidentales, ils n'ont pas doué nous, dans la question de charité. Ce n'est pas charité qu'ils ont besoin d'un meilleur. Nous avons besoin. C'est pas ça, monsieur, qui est intéressant pour moi. Qui est important, l'intéressant parce que nous pas besoin de charité dans mes côté communauté internationale là. Non. Nous besoin réparation avec restitution. Ouais, une partie de la discussion, permettez-moi et font petit couper. Une partie ça intéressant pour nous. Par exemple, partenaire ça qui fait plus de 20 ans à travailler pour Nations Unies, d'ailleurs on est là qui travaille dans UNICEF, c'est marché offrir aide et puis pour capable jeune pigou comment ça va violent. Et par exemple Gary Conny qui marche en bol blé Pascal, fait Haïti réduit à zéro, chercher 40 millions, chercher 150 millions, on paye Pascal, qui est 600 millions de dollars américains qui a gaspillé sous frontière là, qui est l'argent qui a gaspillé dans la douane passée par là, qu'on a marché mandé tout côté. Moi, je pense que Edgar Leblanc font coup. C'est font coup, je pense que ma pône. Alors, nous étions 7 minutes, Pascal. Pascal, nous étions 7 minutes. Nous étions 7 minutes. On va avancer. Et où est-ce que ça, Edgar Leblanc fait? C'est fréquentité. Et Bougeral. Voilà. Qui avec monsieur fait dernier coup de plume ça. Monsieur fait dernier coup de plume ça. Hein? Pour moi, il me semble beaucoup de plume, oui. C'est ça. Mais Jean-Dylan, on indouce un chaud. Indouce un chaud, mais parce que dernier frappe-là, dernier frappe-là fait quelque part. Dernier frappe-là, Lévin baille possibilité pour que nous pas tellement baille importance ou du moins ou bien passer. Premier ça que te dit yo nous pour ne pas avoir importance pour ne pas parler sur yo même parce que dernier point que monsieur fait Pascal intéressant
le premier samedi dit, c'est ça dans tête li avant Gary Conné, il a fait fréquence, il prend devant l'aléa. Voilà. Dernier parti à s'ajouter, l'ajouter après, et fréquence et Gary Conné. Voilà. Côté Gary Conné, il décide et l'aller au niveau international, et c'est la charité l'allemande. Et bien, monsieur Touré répond et classé Gary Conné. Classé le clair. C'est classé, monsieur Claire, c'est clair. Il classe Gary Conné. Et nous dit, et je dis à Fogon bataille qui fait, et je dis à pour nous continuer responsabiliser et communauté internationale, là, ça a passé par bon ici. Ça a passé, voilà. Parce que, yo, point pour, c'est charité à faire, nous. Et c'est un coup, nous capables d'où, et c'est papa bon qui est, mais non! Il y a une responsabilité. On regarde les États-Unis dans sa capacité là. Est-ce qu'elle pas doué et peuple haïtien et réparation, justice à réparation? Parce que ZAM t'a utilisé là pour tout le monde. Qui côté au sorti? Va la Cali au sorti? Très bien. C'est la Cali au sorti. Et tout comme Gabra, c'est notre trafic ZAM. Qui côté comme ça aller? Il y a l'économie américaine. Et je dis à Fogon bataille pour justice et réparation pour tout le monde qui est victime dans le pays. Ni bon côté et communauté internationale là, qui a une grande responsabilité, yo, ni n'est pas bon ici tout. Parce que nous n'avons pas innocenté n'est pas bon ici. Qui n'a construit ça là? Parce que on est quitté qui sanctionné pour financement et gang dans le pays. On est quitté fait partie CSPN. Mbakwe nek sakal, nous ka quitté nek sa yo al dormi. Et la caillou et pour pas rendre compte avec nation non tout ça qui a passé là parce que quantité de monde qui dévasté là des ces activités négio on connaît tant coup et Laurent Saint-Cyr avec toute l'autre équipe négio c'est des monde qui doué et nation et réparation parce que yo fait aveu dans notre yo t'est sorti yo dit tout ça pays a connait là c'est parce que yo t'a boumé entre yo est-ce que je dis est-ce que nous carré t'a garder nek ça comme ça a puis pendant je dis on malheureuse qui t'est redil considérer pièce caï je dis pas ca dormir la dedans il perdit toute salle de gagner comment est-ce que moun ça va le camper comme ça ou l'a garder et on capable dit patron gang yo nager. Et négio lui-même et pendant temps de il crée une situation là et pour appauvrir tout le monde dans la société hein yo même il a voté l'argent à investir à l'étranger voté l'argent à investir là la caille Abinadel et c'est ça fort hein? La République dominicaine et à battre col comme ça c'est parce que gain trop esclaves de salon, oui, j'ai trois prestats avec la caille, nous avons investi la caille. Voilà, trois tchoules. Oui, c'est ça. Si la République dominicaine qu'on est, Haïti est un minimum sentiment nationaliste, ouais, Abinadel n'a pas pris une chance pour la parler pour gagner occupation de la République dominicaine. Parce que qui ça a besoin de faire là? C'est besoin de mettre, il besoin de passer et mettre M. Kenya ou de Apipou pour être bon non? C'est projet à ça, oui. Oui c'est projet Abinadel, c'est projet États-Unis, c'est projet oligarque. Mais Pascal, et supporté par la politique traditionnelle des Canadiens. Pascal, mais bientôt, et Mkabaou, et ou appelant ça, c'est qu'on est. Abinadel pas connaît qui Jean peuple haïtien envie Pascal bon match avec les dominicains racistes anti haïtiens et me dit a bien bataille et laisse ça pas gagner dans bataille ça pas gagner la valance pas gagner petite dessaline pas gagner et volons ça non. Là ça c'est peuple haïtien hein, et qui prend responsabilité pour le gourmet pour le dire faut yo défendre patria
Et, voilà. Et la constitution de 1805, il est clair. Parce que le premier article, oui, il parlait de l'île. Les habitants habitant l'île. Et bien, c'est l'île d'Haïti. Et bien, je dis, hein, et pas quoi. Pascal, n'a pas conclu. Et puis, on vient parler de l'île Saint-Domingue. Et m'dou, bataille là. Bataille là, carré. Bataille là, carré. Et je dis, et tout le monde qui parle de proposition, ou obligé, jambé à Jean Abinader. Ou est-ce que c'est ça? Chaque grain haïtien de proposition clé. Qui compte au campé? Est-ce que pour ça, Abinader a parlé avec vous, toi, ou non? Et tout le monde qui pour, ou son traite nationale, et dans n'importe qui côté haïtien croisé avoir et sous bouteille ou doit prendre bois calé même gens doit gon bois calé qui préparé pour soldats dominicains et même bois calé là li doit commencer organiser pour demander et monsieur Kenya pour quitter pays à tout parce que c'est trop de respect trop de tolérance bientôt parce que mais on là pas prendre rien avec Konya yo besoin venir avec la y a même mouto ça a comploté avec la République dominicaine et bien opération bois calé pour lancer ni contre mercenaire et outoyo ni mercenaire Abinader la préparé pour le voir là. Très bien. Et bien Pascal n'a tourné pour l'autre édition. Merci. Oui, c'est ça. C'est passé mobilisation à lancer et c'est ça camper et nous-mêmes nous pas camper et nous lancer dans bataille là et bataille là lui-même avec projet ça. Bataille là pour l'autre dimension. Et pour l'autre dimension. Tout le monde prend responsabilité. Justement. Qu'est-ce que là, Pascal? Voilà. Ensemble avec nous, c'était Pascal. Depuis dans la Coupe d'Haïti, nous avons fait parler sur la situation qui a développé dans la Coupe d'Haïti. Et Fonti, intervention sous discours. Et Edgar Leblanc-Fils, qui est président, qui lève cette traite-là. Naptoune, nous ne pouvons pas commenter par nous pour venir. Mais Naptoune, bon Dieu béni nous. Qu'est-ce que là? Nous en pile. Qu'est-ce que là?